Bonjour et bienvenue dans la création de ce tutoriel consacré à la création d'un logo simple sous Illustrator. À la fin de ce tutoriel, vous pourrez donc créer le logo qui est ici. Tout de suite, commençons. Je vais donc tout effacer et tout recommencer. On va choisir donc l'outil texte, cliquer dans l'espace de travail et écrire Showreel. Prenez le bord droit de Showreel et restez appuyé sur Shift pour l'agrandir dans les bonnes proportions et le replacer sur l'espace de travail. On va tout de suite changer la police. Pour cela, on choisit Texte Police Avant-Garde Book BT. Je clique sur mon texte, puis je fais Fenêtre Texte Caractère pour pouvoir resserrer les lettres. Donc là, je clique ici et je fais moins 75. Je ferme mon petit panneau. Je fais un clic droit sur le mot pour le vectoriser. Donc ce n'est plus un texte éditable, mais ce sont des formes indépendantes. Je clique droit sur mon texte et je fais dissocier pour les enlever du groupe que Illustrator a créé. Comme ceci, je peux sélectionner les lettres que je souhaite. Donc là, je vais sélectionner les quatre dernières lettres, choisir le point d'ancrage qui est en bas à droite, appuyer sur Shift et remonter légèrement pour réduire mes quatre dernières lettres que je vais déplacer un petit peu. Voilà. Et je rechoisis l'outil texte pour écrire la petite phrase qui est dessous. Voilà. Je clique sur ce texte et je fais aussi vectoriser. Maintenant, nous allons créer l'intérieur de la lettre O. Pour ceci, j'appuie donc sur CTRL, espace et je relâche, ce qui a pour effet de zoomer. Je choisis l'outil cercle et je crée mon cercle à l'intérieur du O. Donc là, je ne vais pas le laisser comme ça. Il va falloir ajouter cette forme-là avec le cercle qu'on vient de créer. Je vais le changer de couleur pour que vous le voyez bien. Donc je choisis mon premier cercle. Je sélectionne mon A en restant appuyé sur la touche Shift. Et je fais Fenêtre, Pathfinder, qui est donc le petit panneau qui va nous servir à fusionner les deux formes. Et je clique sur le premier petit icône. Voilà. Et donc ça a pour effet de me fusionner mes deux formes. On se retrouve donc avec un O plein. Maintenant, sur le logo de départ, les lettres S, H, W et le petit texte dessous étaient en dégradé. Je vais donc cliquer, sélectionner en restant appuyé sur Shift. Donc je vais prendre le W, je vais prendre It's Your Block Baby et je vais donc aller dans Dégradé. Et là je clique dans le panneau. Voilà. Donc ce qui a pour effet de me créer un dégradé, pas tout à fait comme je le voulais. Donc ici vous pouvez rentrer la direction du dégradé, donc là je mets 90 degrés pour l'avoir de haut en bas. La première couleur, je vais mettre 95% de noir et la deuxième couleur 85. Donc là, ça fait déjà un petit peu plus stylé que tout à l'heure. On va passer donc au cercle
et anneau 4 lettres, donc qui était rose. Donc là, pareil, je vais choisir le dégradé et je vais prendre donc là deux méthodes. Donc où je clique ici et je change donc la couleur. Voilà. Ou je vais directement dans mon panneau et je prends la couleur qui m'intéresse, je la glisse sur le petit curseur et je clique sur le panneau. Je change la direction. Là, on va faire. Donc là, pour en enlever un, je le prends et je le glisse. Ils en va. Voilà. Donc là, je vais mettre 70% de magenta. Voilà. Donc là, nos dégradés sont faits. Par contre, sur le haut, ça ne me va pas du tout. Il faut mettre donc un dégradé radial, comme ceci, pour faire un effet boule. Donc là, maintenant que j'ai tout ça, il me manque donc le signe pause dans la boule. Je vais zoomer sur cette boule pour être un peu plus précis. Je choisis donc rectangle arrondi et je crée mon signe pause. Donc là, je vais le mettre en blanc. Donc, pour avoir exactement la même forme, je reste appuyé sur Alt et Shift pour déplacer en restant aligné et en clonant ma forme. Je relâche. Et je dézoome. Donc cette forme est une forme à part entière. Donc maintenant je la groupe. Donc je fais CTRL G. Je la sélectionne. Je prends le bord droit. Si j'appuie sur Shift, il va me la réduire à partir de ce bord-là. Moi, c'est pas vraiment ce que je veux, donc je vais rester appuyé sur Alt. Et là, il va me la réduire à partir du centre. Et je la remonte un petit peu. Je sélectionne mes deux lettres et je les avance comme ceci. Voilà. Pour créer l'ombre, c'est très simple. Vous prenez donc l'outil ellipse. Vous créez une petite ellipse grise, comme ceci. Pour l'aligner, donc là, Illustrator CS4 l'aligne automatiquement en fait. Mais donc vous pouvez cliquer donc sur Shift et sur votre forme et avec les outils d'alignement, vous pouvez les réaligner comme vous le souhaitez. Je choisis ma forme et je fais donc effet. Donc là, ça ressemble à Photoshop, atténuation, flou gaussien. Et j'augmente le rayon. Et je dézoome. Il nous manque donc la petite bulle qui était dans ce coin-là. Je prends donc le rectangle arrondi. Je crée là, choisir des bords un peu plus petits. Je choisis donc une petite forme. Je prends l'outil plume et je vais créer un petit triangle, sélectionner mes deux formes et les ajouter. Je n'ai qu'une seule forme. Je vais écrire
le texte. Et l'ajouter dans la bulle en changeant un petit peu la couleur du texte et en dézoomant. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous avez donc appris vraiment les bases d'Illustrator pour créer un logo vraiment très très simple que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. Donc là, par exemple, je l'ai posé très vite sur un t-shirt. Vous pourrez l'utiliser sur n'importe quel format puisqu'il s'agit de dessin vectoriel et non de pixels. Donc voilà, je vous souhaite un bon tutoriel et à la prochaine.